Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, voilà, on se retrouve pour l'épisode 2. J'étais étonné que la première vidéo vous a plu. Voilà, donc niveau like ça va, et puis vu, je m'attendais pas que ça fasse 30 vues déjà, en même pas ben, un jour. Donc ça va, ouais, raisonnable. Et du coup, je pense que ça va faire minimum 50 vues, peut-être même plus, j'en sais rien, mais c'est parti pour, donc franchement ça fait plaisir les retours. Et donc je vous fais la suite. Donc voilà, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On est voilà bientôt à Rennes 2, donc on va passer à Rennes 2 dans cette vidéo. Et puis voilà, j'ai vu qu'on monte encore en abonnés, je vous remercie pour tous ceux qui s'abonnent, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, je fais un petit débrief avant de commencer. Voilà, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui regardent des vidéos qui sont pas abonnés, abonnez-vous, ça prend quelques minutes, ça ferait vachement plaisir. Un petit pouce au passage, ça fait pas de mal. Et donc les vidéos vont mettre du temps à sortir parce que c'est grâce au poteau. Qui aura l'overlay et tout ça, et donc sa chaîne sera en description. Il y a des vidéos fun, best-of et tout, parce que je suis en compagnie avec lui sur Fortnite et d'autres jeux. Donc allez voir, et même d'autres potes qui fait, qui, comment dire, qui a fait des vidéos avec. Donc si vous voulez avoir des best-of et rigoler, etc., ben allez voir. Voilà, ça me ferait vachement plaisir en tout cas. Et donc, ben, on va partir pour Rush l'Arène 2. Et donc, juste avant aussi de partir. J'ai reroll Naruto Blazing, ça fait, j'avais déjà joué à l'époque, mais pas fait de vidéo, je crois. Et si vous voulez que je fasse des vidéos dessus, enfin plutôt farm en live, il y a des membres de la guilde qui ont commencé le jeu et tout. Et donc, si vous voulez que je joue et que je fasse des vidéos sur Naruto Blazing, n'hésitez pas à le dire, ça me ferait vachement plaisir de faire ça en live, surtout que je vais reprendre les lives prochainement, où est-ce qu'on va faire du Clash Royale, je sais pas, Naruto, Nanatsu, parce que Nanatsu il y a aussi le Miyadas bloqué sorti. Donc voilà. Enfin bref, on va arrêter de parler. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, on va tryhard l'arène 2. On va essayer d'atteindre l'arène 2. Donc, comme d'hab, on va mettre le géant parce que pour tank, archer pour support pour tout ce qui est aérien. Voilà, tranquillou. Là, on va attendre un peu histoire de reset pour voir ce qu'il va mettre en tempo. Voilà, franchement, ça fait plaisir. Je vois ça un petit compte. C'est différent du gros niveau. T'es en gros niveau, t'es là, toi, c'est chaud. C'est encore. En plus, là, ils ont payé, du coup, ils ont les cartes level 13, là. Alors que là, ça va, c'est niveau 7, niveau 2, 4. Ça va, c'est rentable. Oh, rentable. Bon. Papa. On va partir comme ça avec rien. On va voir ce que ça donne. Petit combo. Hop. Oh! On a la tour. Ouh, ça fait plaisir. Oh, le combo. Il n'y avait plus d'élixir. Ah. Bon, si vous entendez les petits pas du Kleps, c'est normal. En espérant qu'il va pas ouvrir la porte parce que ça serait grave relou. Ah, donc on va mettre le chevalier pour contrer la petite mousquetaire. On va voir ce qu'il va mettre. S'il met des trucs, on va mettre aussi quelque chose. Je pense pas, non. Ah, si, géant. Ok, pourquoi pas. Bah, mousquetaire aussi, vu que ça fait très mal. Baby je pense. Comme ça après on va mettre un bon géant là devant. Ça va être hyper trop bien. 1, 2, 3. Hop c'est parti. Voilà comme ça focus les gens. On bat la mousquetaire. On met des archers derrière en support. Et là logiquement on prend la tour. Vu que là il a plus d'élixir. Voilà il y a juste assez pour mettre le chevalier. C'est tout. Donc logiquement on prend la tour. Et pour être sûr on met un mini PK derrière. Voilà on lui fout la pression. C'est nickel, hop, encore un 3 étoiles, easy, boum, le coup de PK, ça fait zizir, 3 étoiles, première game, hop, plus 30, voilà, bah, de toute façon ça va aller très vite hein, pour aller en arène 2, voilà, chercher le mot, bordel, palier débloqué, palier débloqué, hop, parfait, ok, qu'est-ce qu'on a, des archers, pourquoi pas, gargouille, oh, ça c'est très bien, géant, bah nickel. Ouh, armée de squelettes, ça peut être pas mal pour prochainement plus tard. On va up tout ça, oh, ça fait plaisir. Level 4, les gens au niveau 5, il va être plus tanky. Ah voilà, des dégâts aussi. Et gargouille également, level 3, points de vie. Bon, c'est pas terrible, mais c'est toujours mieux que rien. On continue toujours avec le même deck, voilà. Pas besoin de changer, pour l'instant c'est simple. Les gens savent, ils savent plutôt jouer, ça dépend lesquels. Donc voilà. Bref, alors, donc là on a un géant, archer, chevalier, baby dragon. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je pense pas qu'il va jouer, donc on va commencer avec un petit géant.
Voilà, on va s'installer, on va poser les boules sur la table, on va poser le terrain, préparer plutôt le terrain, ça va être beaucoup mieux que placer. Désherber derrière, voilà, on sait jamais. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait, donc on va mettre un petit baby dragon. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre un petit P.K. derrière en vrai. Puis on envoie la sauce. Hein. On va mettre un petit mousquetaire aussi derrière, tant qu'à faire. Voilà, comme ça on fout la pression, on a déjà la tour. Donc le chevalier est mort. Ouais bah c'est nickel. On va mettre un petit chevalier pour être. Comme ça il va tanker. Voilà, là en fait on envoie juste la sauce là. Voilà, donc là il lui reste que des gargouilles. Donc là on va faire un 3 étoiles aussi encore. Est-ce que ça passe? Oui ça passe, easy. Ça a pris 2 minutes pour faire 3 étoiles. Ah je kiffe. Là je fais le malin, mais quand on va attendre l'arène 4 et tout, je peux vous dire que pour monter en arène ça va être long. On va mettre au moins 3 épisodes pour passer une arène. Je peux vous le dire. Mais bon ça va, ça passe. Là de toute façon c'est que le début. Non, mon tout. On va ouvrir le coffre. Nice, coffre en or. Hop. Le gobelin. Oh le fur gobelin. Oh, en fait, franchement là, on commence à avoir un deck de bâtard hein, qu'on va pouvoir faire après par la suite. C'est insane. On a des bonnes cartes. Bah voilà, on va être bientôt à Arène 2. C'est un truc de malade. Donc on continue, on passe à Arène 2, peut-être la moitié de Arène 2. Et après on s'arrêtera là. Et après on fera la suite au prochain épisode, comme ça on aura atteint l'objectif de monter en arène. Voilà, le classe va ouvrir la porte. Il veut ouvrir l'enfoiré. Donc je suis désolé si la porte va s'ouvrir. Il y a une possibilité. Ouh là non voilà c'est aussi le coco. On va essayer de défendre. On va prendre un petit peu cher. Malheureusement. Là on va être obligé de se prendre des dégâts par contre. On va être obligé. On va mettre le mousquetaire derrière le. Ah le bâtard. Ouh ça va. Ok donc là il nous a mis cher par contre. C'est à notre tour de mettre la pression parce que là j'avoue que je m'attendais pas qu'il attaque rapidement. Ok, là franchement on est bien. Mais pensez à mettre un petit pouce bleu, ça ferait vachement plaisir parce que j'ai vu qu'il y a pas non plus des masses monde qui ont mis. Donc tous ceux qui sont abonnés, qui sont passés, je sais pas si ça vous plaît. C'est très important, ça me permet d'être recommandé par sur YouTube simplement et donc ça m'aide à améliorer la chaîne. Donc pensez au pouce bleu. Voilà. On va mettre un petit jeu en fond de map. Donc là en fait ce qu'il veut c'est gratter. Et vu que je sais qu'il va mettre des troupes, hein, bien sûr, évidemment. Voilà, donc on va mettre un petit baby dragon, vu que je sais qu'il va mettre le sien. Donc lui ce qu'il veut c'est gratter ma tour, il s'en bat les couilles. Là frère t'as usé 4 élixirs, pourquoi pour rien? Wow. Bah tant pis, on va mettre un mousquetaire derrière le jeu. Hein. On va enchaîner avec un archer en termes de support. Lui faut un support et là bah quand il a plus d'élixir. C'est de sa faute, donc là on en fait encore un 3 étoiles, voilà, easy. En fait il m'a mis la pression au début, mais après il a mal géré son élixir, trop mal géré. Plus il a mis des boules de feu, ça servait à que dalle. Bref, plus 30, voilà, parfait. Nickel, donc il sait pas prendre le deck que je joue, hein. C'est un deck basique, voilà, 36 d'élixir, enfin 3,6 d'élixir, pas trop cher, on le manie assez facilement. On est bientôt à 23. Au bout de 3 games, au moins. On a fait que full victoire. Plus 30, plus 30, plus 30. Easy. Bref. Allez, dernière game. Attends, on est à 60. Non, on passe pas 300. Je sais pas si on passe à Arène 2, je suis pas sûr. J'ai un doute. On va passer. Ouh, là on n'a pas de géant. Donc on va servir du chevalier pour tank. Donc, même technique, le chevalier va servir pour tank. Donc, mousquetaire derrière. On met le chevalier devant. Hop, par contre, faut que le chevalier soit focus, s'il vous plaît. Non, putain. Tant pis. Ah. Ah. Ok, bon, j'ai flèche un peu trop tard. Ça va. Disons que je m'attendais pas qu'il allait avoir de le squelette, du coup, ça va être compliqué. Compliqué, il va falloir que je pense à sa horde de squelette à gérer. Allez, on va tenter PK Gargouille. Allez, on va focus petit chevalier. Hop, il meurt. Il y a les trois, les deux. Ah, ok, bon, plus Mouseover, ok. Ok, j'ai rien dit. Donc, il y avait mis un mousquetaire plus archer. Putain, je cherchais le mot. Donc, là, ce qu'on va faire, on va tenter le combo. Par le problème, j'ai pas d'archer, enfin de flèche. On va tempo. Mettre les deux archers derrière aussi. Voilà, on a les flèches.
c'est ok, il y a un P.K. aussi. On va mettre un chevalier aussi devant, comme ça c'est il va frapper le P.K. Faut pas que c'est le gens qui prennent cher non plus. En plus on est encore dans la zone, donc c'est très bien pour nous, on met un baby dragon en termes de support. On prépare les flèches vu que ça va arriver très vite. Vite. Ça va arriver. On sait jamais s'il le place. Il l'a pas placé. Je crois pas hein, du moins, parce que. Ou alors j'ai bien joué. Je crois pas qu'il a mis la horde de squelette. Bah nickel. Et franchement, OP. Franchement l'assaut est passé crème. Donc là logiquement il doit avoir la horde de squelette dans sa main. Donc là je pense pas que l'assaut il va passer là cette fois-ci si je le mets là. Du coup je vais tenter hein, mais ça m'étonnerait. Voilà que ça m'étonnerait. Déjà ouais, gargouille, voilà, il prend cher. On va commencer, on va mettre toute la pression, baby dragon. Le géant qui va crever malheureusement c'est pas grave. Au moins il fout la pression, c'est que si ils sont gérés. Baby dragon qui va pouvoir frapper. On prépare le P.K. on va voir. Je prépare les flèches au cas où. Non, ok, il va gérer mon P.K. avec son P.K. Et il y a la gargouille. Enfin les gargouilles plutôt. Ok, donc je vais faire juste une étoile, ok. Donc lui il est assez casse-couille en vrai. Bah si c'est ça, je vais aller aussi attaquer de l'autre côté frérot. Désolé pour toi. Et de toute façon c'est moi qui va prendre la tour. Voilà. Si c'est ça qu'il veut jouer, ben je vais mettre la pression de ouf. Donc ça c'est sûr c'est moi qui gagne. Voilà, on prend la deuxième tour. Tu prends une tour, je te prends la deuxième, pas de soucis. Et franchement il y aurait plus de temps, je t'aurais pris 3 étoiles. Presque, oh, dommage. J'aurais dû faire ça plus tôt en fait. Voilà. Il a tout mis à droite et il avait rien pour def. Enfin c'était qui tout double de toute façon. Donc voilà, plus 30, ça fait zizir. Voilà, bon, on a reine 3. Oh presque. Ça fait zizir. On a un coffre disponible. Qu'est-ce donc de disponible? On a rien? Bah, j'ai cru. On a rien du tout. Ok, saisir le code, soutenir un créateur. Ok, non, on s'en fout. Bah, ah, oh, on va jouer dans l'arène 2. On joue dans l'arène 2. Ouh, les gars, première game en arène 2. Première game. Ouh, ça va changer la donne, ça va jouer des feux à gobelins et tout. Ça va commencer à être intéressant. Ouh, mon dieu. Ouh là là là, ça commence. Ouh, mon dieu. Oh, miséricorde, ça commence. Ouh là là, ça joue des princes. Ouh, ça va être casse-couille sa mère. Ça va être très casse-couille, hein. Je peux... Ouh là 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 là. Il va falloir que je commence à jouer la horde de squelette, hein, je vais vous dire. Hein. On va commencer à changer de deck, peut-être. On va changer quelques cartes, peut-être, parce que j'avoue que si ça joue prince et tout, ça va être casse-couille. Mais bon, on sait jamais. On va tenter un petit truc à droite, je sais pas si ça va passer. Ah, bah là, si ça passe pas, il y a un problème. Déjà, je perds ma tour. Vite. Je pense que je perds ma tour, je suis pas sûr. Oh voilà, bon je prends une tour. Après, en vrai, le squelette il est proche de ma tour, hein. Logiquement je vais prendre cher là. Bon, je vais pas perdre ma tour, mais je vais prendre cher. Oula, oh bah, on peut chier. Oh bah, là, il est bien que proche là. Là, je peux te dire qu'il me fait des bisous là. Ouais, bon voilà, il est presque pris. Ok, c'est le moment, il a envoyé ses trucs. Mousquetaire, c'est le moment. Il a envoyé boule de feu qui coûte 4 d'élixir. C'est énorme. C'est énorme, donc c'est le moment ou jamais. Hop, on envoie des gargouilles. C'est le moment ou jamais. Ah, il a envoyé ce cochon, ok, c'est pas grave. Nous, on va focus le 3 étoiles. Ok. Beaucoup de dégâts, c'est pas mal. Bon, on va le laisser. Niveau 5, ça fait mal quand même. Hein. Bah, non, mais c'est un mal. Il croit vraiment que je vais le laisser prendre ma tour. Oui. C'est vraiment un stuff. Ok, là, j'avoue que tu vois, c'est première game en arène 2, tu vois, c'est déjà serré. Il va falloir que je gère tout ça. Bon, on va mettre ça parce que c'est bon, je peux pas te laisser non plus frapper la tour. Merci. En termes d'élixir, c'est ça commence à être chaud. Je pense qu'on va chercher... En fait, je sais pas, c'est mitigé. Bref, là, s'il me met la pression, ça va être compliqué. Ouais, voilà, il me met la pression en fait. Là, si c'est ça. On met ça. Baby dragon haut. Là, ça va faire le taf, logiquement. J'espère. Et là logiquement je prends l'étoile. Nickel. Et là je prends le 3 étoiles. Allez vite. Je prends le 3 étoiles. Vite. Yes. 3 étoiles encore. On arrête 2 les gens. On arrête 2, on a fait 3 étoiles.